Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. Envie d'une recette de gâteau facile et rapide à faire? Voici des petits sablés au chocolat. N'oubliez pas le pouce bleu s'il vous a plu et à très très vite à la recette. Alors pour les ingrédients, j'aurai pas besoin de beaucoup de choses. Seulement 125 g du beurre mou ou ramolli. Aussi 125 g de sucre tendre glace. Une grande cuillère à soupe de poudre de chocolat sucré et le sucre vanillé 7 g et la farine du blé tendre tamisé 250 g. Alors dans le récipient, je commence par mélanger le beurre et le sucre, c'est le sucre vanillé. Et la poudre de chocolat. Je vais tout mélanger. La consistance doit être pommade. Si vous aimez, vous en rajoutez la poudre de cacao selon votre choix. Je rajoute maintenant la farine, petit à petit, et j'arrange la pâte. Ce gâteau sablé est très facile à faire, en plus très très délicieux. Maintenant, je l'arrange. La pâte doit être mou. Voilà, ça commence à s'arranger. Entre deux films alimentaires, je vais étaler la pâte d'une épaisseur d'environ 1 cm. Voilà. Avec l'emporte-pièce, je découpe et je le mets sur le plat du four huilé ou bien sur le papier cuisson. Bien sûr, selon votre choix.
Le reste de la pâte, je la range et l'étale de nouveau. Après, je vais enfourner les gâteaux à 160 degrés. Le four est déjà préchauffé, ça ne prend pas beaucoup de temps. 7 à 10 minutes maximum. Après la cuisson, je les laisse refroidir complètement avant de les décorer. Voilà. Maintenant, je vais tout placer sur une grille pour les décorer avec le chocolat blanc et noir fondu. Ici, j'ai 50 g de chocolat noir fondu, la même quantité pour le chocolat blanc. Maintenant, le chocolat blanc. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous retrouve prochainement.